Hello and welcome to the Circular Metabolism Podcast. This podcast is hosted by the Chair of Circular Economy and Urban Metabolism held by Aristide Athanasiadis and Stefan Kamperman at the Université Libre de Bruxelles. In this podcast, we talk with researchers, policymakers, and different practitioners to unravel the complex aspects of what makes urban metabolism and economies more circular. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université Libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stefan Kamperman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans ce deuxième épisode du podcast Circular Métabolisme, Stéphane et moi voulions casser le mythe que les villes tertiaires comme Bruxelles consomment moins de ressources que les villes industrielles. Il est vrai que les activités industrielles sont devenues quasi inexistantes à Bruxelles. Cependant, à cause des effets indirects de notre consommation, notre impact environnemental n'a pas forcément diminué, mais a simplement été repoussé vers des territoires plus lointains. Par ailleurs, en présentant les chiffres de certains flux métaboliques de Bruxelles, il devient clair que l'économie circulaire ne pourra avoir qu'un effet limité à l'intérieur de son territoire. Bien que des solutions et des innovations se multiplient dans les villes, pour réellement circulariser les flux de matière sortant des villes, il faudra regarder au minimum à l'échelle métropolitaine, voire mondiale. Profitez de cet épisode et rendez-vous sur notre site circularmetabolisme.com pour retrouver plus de nos réflexions et productions. Voilà, bienvenue pour une deuxième édition de notre canapé circulaire. Donc ici, on a eu l'idée de faire des petites vidéos sur des thèmes qui sont en lien avec le sujet qui nous réunit, à savoir l'économie circulaire et le métabolisme urbain des grandes métropoles comme Bruxelles. Et aujourd'hui, on voulait vous proposer une mise en perspective de la ville tertiaire, hein, de la ville et son économie urbaine. Parce que souvent, on présente la ville de Bruxelles et son économie comme, voilà, c'est une ville tertiaire où il y a surtout beaucoup de bureaux et beaucoup de gens qui travaillent dans des administrations, dans des sièges, des entreprises, des assurances, de la finance, les cabinets d'avocats. C'est ça en gros qui domine si on regarde la distribution des emplois et la distribution de la valeur ajoutée à Bruxelles. Bah, c'est ça ce qui a sauvé un peu la ville. À partir des années 70-80, quand l'industrie de Bruxelles a décidé soit de fermer usines à Bruxelles ou partir à la périphérie et puis en Asie. Ou a été forcée par la force des choses, par un changement structurel de l'économie. C'est ça, donc il y a eu dans les... Enfin, Bruxelles était une ville industrielle, c'était la ville... La place industrielle la plus importante de la Belgique depuis la fin du 20e siècle, depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60 du 20e siècle. Donc Bruxelles était une ville industrielle avec toutes ses fabriques, ses fourneaux, ses ateliers, ses manufactures. Usines de gaz au niveau de Buda, etc. Du canal, donc c'était une ville industrielle. Mais aussi capitale de la Belgique, mais surtout l'assise économique était industrielle. Donc puis, dans les années 60, l'industrie a parti, donc pour différentes raisons, mais dans ce mouvement de la désindustrialisation des villes industrielles, on peut, d'autres villes comme Charleroi, comme Liège, comme Detroit, comme Manchester, New York, ouais. même New York était une ville très industrielle jusqu'aux années 60. Donc du coup, la ville de Bruxelles a dû réinventer son économie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a misé sur l'extension de cette fonction tertiaire qu'elle occupait déjà en tant que capitale de la Belgique. Elle a attiré des fonctions de commandement
dans l'implantation des institutions européennes dans les quartiers Léopold. Et ici, on est dans le quartier Manhattan autour de la gare du Nord. On a donc fait de la place pour une nouvelle économie de commandement. Donc des centres de décision, des centres d'études, où on produit des idées, on produit du contrôle, mais on ne produit plus des biens. Et donc de là, on pourrait dire que bon, donc en fait aujourd'hui, l'économie urbaine, c'est beaucoup plus immatériel parce qu'on produit moins de biens, on produit plus de services. Et beaucoup de villes post-industrielles qui ont su sortir leur épingle du jeu, mm-hmm. ça, se sont donc reconverties, sont revenus, ont connu une renaissance. En se convertissant d'une ville industrielle à une ville tertiaire. Donc New York est revenu en tant que centre financier. Londres, pareil. Londres est revenu en centre financier. Il y a des villes comme Lille ou Genk qui sont converties en centre logistique avec un peu de recherche dans des secteurs très particuliers. Donc à Lille, on a beaucoup d'informatique, à Genk, on a beaucoup de nouvelles technologies environnementales, par exemple. Mais il y a d'autres villes comme Detroit ou comme Charleroi qui n'ont pas encore pu se convertir économiquement, qui sont donc du coup un peu moins résilients par rapport à leur économie parce qu'ils sont toujours des villes post-industrielles sans être devenues des villes tertiaires. Donc ces villes tertiaires, ils ont l'air d'être plus immatériels, mais d'une perspective de métabolisme urbain ou d'économie circulaire, c'est une autre perspective parce qu'il ne faut pas oublier que ces villes qui ont une économie tertiaire restent quand même des villes fortement matérielles, avec un impact matériel extrêmement grand. Et on ne peut pas dire, c'est juste faux de dire que l'économie tertiaire, une ville urbaine avec une économie tertiaire, est immatérielle. Mmh. Il est peut-être vrai que des villes comme San Francisco ou Bangalore produisent avant tout des services virtuels, qui sont du coup leurs produits immédiats et immatériels, mais ils contribuent par là à la production des déchets informatiques parce que pour faire tourner leur logiciel, il faut quand même des supports matériels comme les smartphones ou les ordinateurs. Donc on peut dire, oui, c'est vrai que l'entreprise Apple ne produit pas eux-mêmes en Californie, c'est juste les designs qui sont produits par leur secteur du coup informatique, mais c'est eux qui en contribuent directement à la production des dizaines de millions d'iPod qui gisent maintenant sur les déchetteries du monde. Donc pareil pour une ville comme Londres ou Francfort, qui sont des centres financiers, ils contribuent à la construction des aéroports, des barrages, des hôtels. Donc ils sont directement liés en fait à l'impact physique qui ont des activités qui ne se situent plus dans les noyaux urbains, mais qu'on a délocalisé ailleurs. Et pour Bruxelles, c'est pareil. Donc Bruxelles, c'est une ville qui commande et contrôle des flux des entreprises, des chaînes de valeur et des chaînes de production qui connectent l'économie globale. C'est à partir d'ici qu'on contribue directement à l'ouverture des mines, la construction des usines en Asie, l'importation, les chaînes logistiques. Donc tout est lié dans une économie globale. Et la particularité de la ville tertiaire comme Bruxelles, c'est juste qu'on s'est spécialisé dans un segment immatériel des chaînes de valeur globales qui sont dans leur ensemble encore extrêmement gourmandes en ressources. Et qui produisent des déchets physiques très concrets. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même très, 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 très matériel. Donc ça c'est un aspect de la... Enfin, pourquoi la ville tertiaire reste une ville matérielle avec une composante industrielle, sauf que ces composantes industrielles, elles ne se trouvent plus dans le noyau urbain, on l'a délocalisée ailleurs. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a deux volets, quoi. Il y a le volet indirect, comme tu présentes, donc le volet qu'est-ce qu'on consomme ici, mais au fait est produit autre part, donc la pollution se retrouve autre part. Mais même dans le volet direct, donc ce qu'on mesure, si on trace une ligne autour de Bruxelles et on mesure tous les flux qui rentrent et qui sortent,
une étude typique de métabolisme urbain qu'on appelle territoriale. Bah, au fait, depuis les années, la consommation des ressources depuis le début du siècle n'ont fait qu'augmenter. Même à travers cette transition vers le tertiaire, on consomme quand même plus. Depuis les années 70, on consomme 40% plus d'énergie au total. Pour l'électricité, je ne me souviens plus si c'est 300%. Pour le gaz aussi, mais bon, évidemment, il faut se dire qu'il y a eu un changement de vecteur énergétique pour le chauffage, etc. etc. Pour l'eau aussi, alors que la population, allez, dans les années 70, ça arrivait vers le million, million et quelques. Et puis, pendant 40 ans, on a baissé pour revenir au même niveau. Donc, il y avait une espèce de courbe en U, comme ça, qui a accompagné cette transition d'industriel à tertiaire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont allées dans les Brabants pour habiter, pour avoir une grosse maison et tout ça. Mais pendant que la ville se vidait d'habitants, la consommation a continué d'augmenter. Donc je trouve ça assez intéressant de dire, tiens, notre économie est devenue plus immatérielle, mais on a eu encore moins d'habitants et on a consommé encore plus. Donc c'est pas forcément... C'est clair que les flux d'une ville productive et d'une ville tertiaire sont complètement différents aussi. C'est-à-dire qu'une ville tertiaire, dans le nord global, si on veut, ils vont tous avoir les mêmes flux. Ça va être l'énergie, ça va être la bouffe et ça va être la construction. C'est les trois gros flux et l'eau, évidemment. Et l'eau, en termes de poids, écrase tout le reste. Mais c'est pour ça qu'on l'enlève souvent de l'équation. Mais dans les villes tertiaires, c'est souvent la même chose, dans les mêmes proportions. Mais ça augmente quand même, quoi. Donc même si cette transition économique arrive, ça existe quand même. On va en parler, par contre, d'un effet indirect. C'est étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce nexus global de production-consommation, on perd un peu la balle. On ne sait plus quel est notre impact. Et où se situe notre impact, mais je pense que dans ce que tu dis, c'est fondamental, quoi. C'est de dire l'activité économique n'est pas plus verte si elle est si elle est comme on voit ici à Manhattan, beaucoup plus type bureau que type usine, quoi. Dans le point de vue économique. On peut distinguer ces deux aspects, ce que tu dis, l'effet en direct par la contribution du tertiaire dans des chaînes de valeur et l'effet en direct en disant que d'un côté, il y a la contribution de la ville en tant que producteur de biens et services et de l'autre côté, l'impact matériel de la ville en tant que consommateur de biens et services. Hein. Donc là, ce que tu dis avec l'importation de la nourriture, de l'énergie, de l'eau, ça c'est la ville consommatrice. Et l'autre côté, la ville tertiaire, c'est la ville productrice de biens. C'est deux, deux rôles économiques. Et je pense, toi, tu es expert dans l'analyse du rôle de la ville en tant que consommatrice de trucs, de choses, des flux. Et j'ai l'impression que l'échelle est... les volumes dont on parle ici, ils sont encore très très peu digérés et compris par les personnes parce que on se rend pas compte des volumes dont il est question. Donc il y a cette idée par exemple qu'une ville comme Bruxelles pourrait devenir circulaire. En produisant une grande partie de sa nourriture au sein de la ville elle-même. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, c'est très louable, hein, c'est peut-être avec un impact environnemental beaucoup plus élevé, il y a des avantages sociaux aussi en produisant de la nourriture au sein de la ville. Mais quand on regarde les métabolismes urbains et les volumes que ça représente pour une population de plus d'un million d'habitants, on se rend compte que Bruxelles emporte environ 500 000 tonnes de nourriture par an, rien que les ménages. Hein, cela, il faut rajouter les restaurants. Et qu'une ville comme Paris,
comme l'exercice de métabolisme urbain qui a été effectué par les collègues parisiens, la métropole parisienne aujourd'hui, dans ses pratiques de consommation de nourriture, nécessite 2,5 millions d'hectares de surface agricole. Donc, à l'heure actuelle, c'est complètement irréaliste de considérer que Paris intramuros pourrait produire l'équivalent de 2,5 millions d'hectares. Donc, l'exercice de métabolisme urbain permet aussi, je pense, de prendre conscience du fait que la ville est forcément dépendante d'un hinterland très large, global, quoi, ouais. Global déjà pour l'heure. La concentration de la population telle qu'elle se fait dans les grandes métropoles est dépendante d'une organisation de filières qui permettent d'accéder à des ressources qui sont à l'extérieur de la ville. Donc du coup, la question peut être en partie comment mieux faire circuler les choses à l'intérieur, hein, surtout dans le secteur de la construction par exemple. Ouais. Mais la question est aussi comment rééquilibrer peut-être les échanges, comment s'assurer qu'on ne va pas juste exploiter toujours le même territoire et quand ils sont exploités, on passe à un autre, mais avoir peut-être au niveau agricole par exemple, des échanges plus à hauteur des yeux avec certaines régions de producteurs. Donc par exemple, il y a eu... Dans l'Antiquité, parfois dans des grandes villes, des quartiers qui avaient une sorte de partenariat, qui adoptaient un village producteur agricole, qui fournissait toujours au même marché dans le quartier. Donc c'était une autre relation, on ne va pas juste commander des tomates sur le marché global, on ne sait pas très bien d'où ça vient, et lorsqu'on n'a plus, on passe à un autre pays ou à un autre continent. Mais on sait d'où ça vient, on a des liens privilégiés, les producteurs ont mot à dire sur l'évolution de la ville et vice versa. Donc je pense c'est ce type de réflexion qu'il faut mener et pas juste se dire l'économie circulaire c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de la ville. Et la tentation pour Bruxelles de rester confiné dans les frontières administratives est extrêmement élevée parce que pour les administrations le pouvoir s'arrête là. Il y a la Flandre, la Wallonie, nous on est Bruxelles, du coup on essaie de faire de l'économie circulaire à une échelle territoriale à laquelle il est très difficile, voire utopique, de le faire. Donc là je pense prendre conscience du vrai caractère immatériel de la ville et l'énormité des flux va nous forcer d'aller vers au moins un territoire métropolitain dans lequel on a un hinterland dans lequel on pourrait produire de la nourriture, dans lequel on pourrait produire peut-être des matières premières pour le secteur de la construction, où il est plus réaliste de voir peut-être de la production énergétique et où on a juste la place nécessaire pour faire cela. Donc, mais ça pose beaucoup de questions, hein, ce que tu dis, parce que il faut se dire, bon, quel est le rôle de la ville? C'est-à-dire quand on parle des activités productives comme tout à l'heure, est-ce que le but ultime, c'est que Bruxelles devienne 100% circulaire? Déjà, on ne pourra jamais y arriver, a priori, vu qu'il y a dans notre téléphone tellement de produits là-dedans qui n'existent pas dans le local, et même si on les recycle au bout de X itérations, malheureusement, la thermodynamique fait qu'on aura besoin de nouveau. Donc ça, de toute façon, disons que Bruxelles ne sera jamais 100% circulaire. Et une ville, en général, ne sera jamais peut-être 100%, vu qu'une ville, par définition, est basée sur le surplus de autre part ou sur le surplus, quoi. C'est comme ça qu'on a construit les villes et notre société. Mais il y a plein de questions intéressantes qui se posent là-dedans. C'est quoi l'échelle de la circularité, du coup? Est-ce que c'est l'échelle métropolitaine? Est-ce que c'est l'échelle, comme tu dis, alors on a des partenariats avec certaines pays producteurs et on s'assure qu'il y a une circularité entre ceux-là, etc., etc. Parce que tu as parlé des effets indirects qui sont, pour moi, ça me fascine. Évidemment, les méthodes sont encore discutables, les données sont encore fragiles, mais quand on s'aperçoit un tout petit peu des chiffres, c'est un peu affolant. C'est-à-dire que
Donc on a fait, j'ai parlé tout à l'heure de l'évolution de la consommation énergétique qui a continué alors que la population a diminué et puis a réaugmenté. Disons que la consommation énergétique commence à se stabiliser, de l'eau aussi. Mais la contrepartie indirecte continue à augmenter et est énorme. Non, mais ce que tu appelles en direct, c'est la consommation de ressources, la production de déchets à l'extérieur du noyau urbain, mm-hmm. dans les chaînes de production. C'est ça. C'est ça, hein? Donc, prenons l'exemple d'un téléphone. Le téléphone, toute l'énergie, tous les matériaux, toute l'eau, tout ce qui a été mis en œuvre pour la construction de ce téléphone jusqu'à arriver à notre maison, mm-hmm. bah, tout ceci, toutes ces infinités de chaînes de valeur sont prises là-dedans dans l'effet indirect. Donc il faut se dire que dans le métabolisme urbain, en général, on compte ce qui rentre et ce qui sort. Un téléphone, quand il rentre, il pèse 200 grammes. Donc dans notre balance métabolique, c'est juste 200 grammes. Alors qu'en réalité... Ton téléphone pèse 200 grammes. T'es pas à la hauteur de l'évolution technologique, je pense. Mais du coup... non, mais dis-toi qu'en réalité... La toxicité, l'extraction de ressources, parce que pour chacun de ces métaux précieux et rares, bah on extrait des tonnes et des tonnes d'autres matériaux non utiles, quoi. Et c'est la même chose pour, donc quand on fait l'équivalent indirect avec l'effet direct du métabolisme de Bruxelles, pour l'énergie, pour les matériaux, pour les gaz à effet de serre, c'est 3 à 4 fois de plus. Donc, on consomme, nous, ce qu'on mesure sur notre compteur de Sibelga, c'est quelque chose. Bah, au fait, tout ce qu'on consomme en plus chez nous, bah, ça fait 3 fois plus de consommation. Ça, ouais. quoi. Et pour l'eau, c'est 42 fois. Ouais, ouais. Donc c'est énorme. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que la grande contribution de ce type d'exercice de métabolisme urbain, c'est d'abord la prise de conscience de cela. C'est-à-dire, bon, on peut, en tant que ville, si on fait une action uniquement restreinte à notre territoire, éliminer les déchets qu'on voit physiquement sous nos yeux, mais en fait ces déchets constituent juste une partie et même peut-être une faible partie des déchets dans son ensemble. Donc même si on élimine tous les déchets en ville, on n'aura pas encore résolu le problème parce que le gros de déchets se passe lors de la production. Donc cette prise de conscience, je pense, ça permet à prioriser et aussi, enfin, peut-être de ne pas être déçu que du peu d'impact à l'échelle planétaire ou à l'échelle à des plus grandes échelles que l'action urbaine peut avoir. Et je pense que c'est important de d'abord prendre conscience de comment ça fonctionne de manière générale et puis identifier qu'est-ce qu'on fait alors qu'on sait où sont les leviers, les limites. Et je pense un truc pour lequel... Pourquoi je pense quand même que c'est très intéressant de faire de l'expérimentation de l'économie circulaire dans l'espace métropolitain, dans l'espace urbanisé et très dense? Parce que, historiquement, les innovations qui ont permis un peu l'évolution de l'humanité vers quelque chose qui nous a permis, on a quand même survécu comme espèce malgré les catastrophes écologiques qu'on a déjà produites. Et souvent, les innovations qui ont émergé, c'est quand même des trucs urbains. Et il y a des gens, par exemple, des économistes comme Jane Jacobs pensent que même l'innovation en agriculture, même l'invention même de l'agriculture est une invention urbaine. Parce que c'est là où le problème émerge d'abord. C'est là où il y a suffisamment de concentration d'idées, de ressources et de matières à faire quelque chose de nouveau. Et une fois qu'on a inventé l'agriculture, on l'a délocalisée vers la campagne. Comme on a délocalisé l'industrie, qui est d'abord quelque chose qui est venu de l'artisanat médiéval, on a inventé l'industrie. On a expérimenté avec l'industrie jusqu'au moment où on la délocalise. Et l'économie circulaire, je pense, si c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, c'est d'abord en contexte urbain qu'on peut l'expérimenter. Et une fois qu'on a trouvé des trucs qui marchent, ils vont forcément aller vers le périurbain, vers les zones qui ont plus de d'espace, etc. Donc, je pense que c'est ici qu'on va d'abord prendre conscience grâce
les chercheurs en métabolisme urbain, ils sont parfois au fond de... Ben, si tu restes toujours dans les Alpes, on ne va jamais prendre conscience en ville. Donc, il faut quand même que tu viennes parfois ici pour en parler. Et donc, d'abord, la prise en conscience en ville, l'expérimentation à petite échelle, en improvisant, en essayant. Voilà, il y a beaucoup d'échecs, mais on va quand même d'abord le faire en ville. Et une fois qu'on a, si on a pris conscience du fait que c'est un truc multi-échelle qui dépasse la ville, et si on a un truc qui marche en ville, après, on aura des trucs à proposer à des territoires à l'extérieur de la ville en termes de modèles, en termes de technologie, en termes de gouvernance, etc. Donc c'est pour ça que je pense que l'économie urbaine joue quand même un rôle extrêmement important pour le développement de l'économie circulaire, même si, in fine, étant donné les flux et la manière dont ça tourne dans son ensemble, il va falloir très vite dépasser les frontières métropolitaines. Mais ouais, je pense que pour moi, je vais donner un peu peut-être deux conclusions, une positive et une négative par rapport à tout ça. C'est que premièrement, on a parlé de l'agriculture urbaine et comment l'agriculture urbaine peut-être ne pourra jamais exister ou en tout cas nous nourrir tous. Par contre, je pense que c'est un bon élément de ce qu'on appelle un mind shift, un changement de paradigme. C'est-à-dire que si de plus en plus de personnes commencent à mettre la main dans la pâte, de travailler la terre, de se nourrir, ça peut changer la mentalité, comme tu as dit, et vraiment là avoir un effet, un grand effet ou un effet boule de neige. Même si au final, ce n'est pas Bruxelles qui nourrit Bruxelles, bah peut-être que, comme tu dis, toute l'agriculture mondiale va changer peut-être grâce à ces maudits citadins qui changent d'idée, quoi. Parce que une partie de ces, donc d'abord ils vont préparer le marché à l'intérieur de la ville, ouais. Et quand tu trouves des modèles qui pourraient fonctionner, ils peuvent, c'est eux-mêmes, c'est une énergie urbaine, ouais, qui va aller vers le périurbain ou se délocaliser en campagne pour mettre le nouveau modèle. C'est pas, enfin, le mouvement bio, le mouvement de circuit court, c'est pas, ça émerge pas de l'industrie agricole, hein. C'est pas les fermiers qui vont dire bah voilà, on a un nouveau truc. C'est des citadins désenchantés qui développent d'abord quelque chose en ville et qui après vont vers l'extérieur, et l'agriculture urbaine peut jouer un rôle là-dedans. Oui, mais et que voilà, c'est peut-être ça, c'est la partie positive de la chose, que le consommateur, parce que malheureusement, on est plutôt consommateur dans les villes que producteur, mm-hmm, de beaucoup de choses. Hein, donc que le consommateur peut et doit faire quelque chose, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est aussi que donc quand on prend cet effet indirect de l'eau, je disais que l'effet indirect de l'eau à Bruxelles, c'est 42 fois plus que celui du direct. Donc entre guillemets, prendre une douche à la place d'un bain, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire que ça ne va pas changer notre consommation de l'eau. Après, évidemment, ça veut dire, voilà, on a parlé de ça, les pouvoirs régionaux vont donner des politiques, vont créer des politiques pour leur territoire, pas pour le reste. Mais ça veut dire que, d'une manière globale, si on est citoyen global, ça ne sert à rien. Donc il faut voir comment, de manière plus systémique, tiens, est-ce que le département d'eau de Bruxelles Environnement peut-être de travailler avec le département d'alimentation, parce qu'au final, c'est notre alimentation qui crée cet énorme effet indirect d'eau, mmh, et de dire, tiens, au fait, si vous diminuez la consommation de viande, ça va faire un énorme impact sur la consommation indirecte de l'eau. Et je pense que que le métabolisme urbain, en général, offre cette opportunité d'une action systémique qui peut avoir des cascades sur plusieurs échelles. Et il faut réellement se rendre compte que c'est notre consommation qui va changer ou pas les choses. Notre production, elle n'existe plus, quoi. Voilà, on le voit à Bruxelles, les activités productives n'existent plus vraiment. Maintenant, est-ce que ça va être le particulier qui va se dire « moi, je réduis, je n'achète plus de téléphone portable » ? Gros point d'interrogation. Est-ce que ça va être les politiques qui vont dire à leurs personnes qui vont voter, écoutez, ne consommez plus? Ça, c'est encore plus difficile à imaginer. Je ne sais pas comment on va aborder ce sujet, mais c'est réellement les consommateurs qui vont ou qui ne vont pas sauver le monde, quoi. Voilà.